digne de louange, il est grand, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'était hier, vous savez pas si je devais continuer avec l'enseignement sur la peur ou enseigner quelque chose circonstanciel par rapport à aujourd'hui. Mais en posant une de mes filles aux États-Unis, mes filles spirituelles aux États-Unis, j'ai senti que je devais parler de ce que je vais parler aujourd'hui. Alléluia. D'abord, nous disons bonne fête à toutes les mères. Amen. À toutes les mères qui sont ici, à toutes les mères qui vont nous suivre à travers le monde. Bonne fête. Merci. Alléluia. Amen. Amen. Ça peut m'étonner comment est-ce que le monde est hypocrite. Tous disent bonne fête à la mère, et alors que la société dévalorise la fonction des mères. Voyez un peu. C'est pour dire, comme disait quelqu'un, je lisais quelqu'un dans l'internet, disait que l'homme parle de Dieu et de la Bible sans savoir qu'il parle de Dieu. Amen. Comment on peut dire bonne fête de père sans comprendre que la procréation est ce que Dieu désire? Comment on peut dire bonne fête de mère? C'est quand même étonnant dans certains gouvernements comme celui du Québec et du Canada, alors qu'on fait des programmes. Mais c'est l'hypocrisie. Alléluia. Amen. Parce que on devient mère dès la conception de l'enfant, n'est-ce pas? Nous, la Bible dit à travers Jérémie que depuis que tu étais le sein de ta mère, je t'avais consacré prophète. Combien de prophètes sont-ils morts? Oh, Seigneur, c'est parce que j'avais prévu de parler. Alléluia. Amen. C'est pour nous dire que et la forêt, c'est quelque chose de sacré, ça ne vient pas de l'homme. Alléluia. Et que ce n'est pas la moindre fonction de la société. Mais c'est la première fonction d'une femme et la société. Alléluia. Que vous soyez une mère qui a beaucoup procréé, qui a eu beaucoup d'enfants. Que vous soyez comme la stérile qui n'a pas eu d'enfants, qui en a adopté. Que vous soyez que ceux à qui Dieu vous a pas conseillé les enfants qui ne vous appartiennent pas. Vous pouvez parfaitement par l'amour du Christ manifester ce que nous avons enseigné aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Dieu, dans plusieurs passages de la Bible, prend le symbolisme d'une maman et qui garde ses enfants ou des seins de la femme. Il parle beaucoup de symbolisme par rapport à ce que la mère doit être. Alléluia. Amen. Alors, c'est une occasion pour nous, comme maintenant nous sommes un peu suivis partout, de faire passer ce message réellement, parce que les gens veulent occulter la vérité. Amen. La vérité, être mère, c'est une bénédiction. Parce que les enfants, c'est une récompense de l'Éternel. Alléluia. Que tu aies eu ces enfants-là. Dans ton mariage, tu te retrouves femme seule, la fonction de la mère ne cesse pas. Que tu les as adoptés, ils ont besoin de ces chaleurs maternelles pour que les enfants se sentent stables. Alléluia. Parce que j'ai toujours dit que la mère crée la stabilité de la famille. Le papa a la vision de la famille. C'est pourquoi la mission est confiée au papa, la mère est sous mission des papas. Mais la stabilité familiale, c'est la mère. Tu sais, nous sommes à l'âge où moi j'ai 50 ans, je suis à l'âge où je peux voir quand on était enfant. On voit maintenant, nous maintenant nous avons des enfants, c'est nous les amis, on dirait des petits enfants déjà. On peut dire, j'ai observé cette maman-là, ou cette famille-là, voilà comment était la maman, voilà comment la famille est. Et voilà comment sont les enfants. C'est facile à voir à notre âge, parce que nous sommes au milieu du siècle, nous pouvons voir les choses qui font quand même 50 ans, c'est beaucoup là, c'est bien. Ou un enfant qui a 18 ans ou 20 ans, c'est un grand enfant. Tu peux voir déjà les fruits de quelque part où une mère n'a pas fait la fonction de la mère, ou on l'a découragé de faire la fonction de la mère, ou la société où elle est ne valorise pas la fonction de la mère. Amen. Les gens aujourd'hui favorisent la carrière jusqu'à arriver à 50 ans. Oh, on va chercher les enfants rapidement. Il dit non, je ne veux pas avoir des enfants. Et ils disent qu'ils ont l'amour des enfants. Alléluia. Amen. 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 Alors, nous pouvons
commencer par la loi de Dieu, l'Exode 20, 12, vous voyez que Dieu dit par rapport à nous les enfants, d'honorer ton père et ta mère. Alléluia. En d'autres termes, les respects envers la mère, on va voir beaucoup de textes dedans, on ne va pas terminer ce dimanche, parce que c'est moi, je voulais un peu sauter ça, c'est un peu ça qui me prend tout le dimanche. Amen, amen. Mais je crois que c'est important. Amen. Que ça nous prenne des dimanches, et puis les papas, les jours de fête des pères vous attendent, ce sera votre tour. Mais ça, apprenez-les pour vous-même, parce que vous dites, tu dois savoir avec qui tu dis, qu'est-ce que Dieu pense de la personne avec qui tu as dealé, pour être sage. Vous savez que dans la chrétienté, tu peux avoir la foi, avoir des succès, mais si ta foi n'est pas de la sagesse, ton succès va durer longtemps. Alléluia. Comprendre, amen. Comprendre avec qui tu vas dealer, qu'est-ce que Dieu pense de la femme qui est à côté de toi, ou de la mère que Dieu a placée dans ta vie, est extrêmement important pour gagner beaucoup de choses dans la vie. Parce qu'aujourd'hui là, nous sommes dans les derniers temps, où il est écrit que les enfants seront rebelles, ingrats. Allez dans les hommes de vieillards, vous voyez que vous allez voir les grands-papas, les grands-mamans qui ont travaillé dur pour les enfants, les ont mis à l'école, ont payé leurs bourses. Ils viennent les voir peut-être une fois les 6 mois. Ils oublient que l'homme ou la femme à la vieillesse est devenue comme un enfant, elle a besoin de beaucoup de choses. Ouais, c'est pourquoi moi, les membres de ma famille, quand je vois quelqu'un, même une de mes soeurs qui veut torturer ma mère, je dis fais attention là. Parce que la vieille, c'est déjà comme dédié comme les enfants. Alléluia. Amen. Oh, la parole que Dieu a donnée très très profonde, je bénis. Mon fils, là, j'ai préparé son baptême là. Mais alors, je suis entré en profondeur dans ça là. Je voulais m'arrêter juste à ce dimanche. Je vais avoir des dimanches avec ça là. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas. Ce n'est pas mettre au monde seulement être mère. Ce n'est pas procréer. Mais c'est une vie. C'est une vie que d'être mère. On ne cesse pas d'être mère après la maternité. Ou après quand les enfants sont devenus majeurs. On est mère toute la vie. Et la fonction change au cours du temps. C'est comme on est père toute la vie. Je me vois mal, moi. Mon fils, même, il a 50 ans, il a un problème, puis il n'est pas l'aider. Alléluia. Donc c'est très important que pour nos jeunes filles, pour nos soeurs, de comprendre que votre fonction de mère, la grâce de Dieu vous a fait d'être mère. Qui est, et on voit, qui donne même beaucoup de textes très controversés dans la Bible. Vous savez qu'on dit que la femme sera sauvée. Et en devenant mère, ceux qui comprennent mais ces textes, je vais amen. Les femmes n'aiment pas lire ça. Ce n'est pas ce que vous croyez. Amen. Je vous ai dit, avant de comprendre ce que la Bible lit, il faut lire tous les chapitres. Amen. Oui. Les chapitres parlent de l'enseignement. Alléluia. On ne va pas revenir sur ça là. Alléluia. Amen. 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 Donc, être mère ou père, si vous voulez, on va un peu parler un peu de père tranquillement pour la masculinité ici, ne soit pas comme isolé là. Amen. Mais que c'est toujours par rapport aux enfants. Alléluia. À la maternité, vous avez pris 9 mois avec l'enfant. Vous ne savez pas qui devait naître de vous. Vous sentiez le mouvement. Vous avez cette intimité que nous les hommes, nous ne connaîtrons jamais. Amen. Et puis l'enfant est sorti. Et puis l'enfant commence à grandir. Vous passez les nuits blanches, vous l'allaitez la nuit, vous réveillez la nuit, vous allaitez. Il y a quelques temps, les gens du monde nous disaient que l'allaitement était une mauvaise chose. Quand moi j'étais enfant, là, en 70, on avait dit au Congo, non, il faut donner le lait glucose aux enfants pour avoir la bonne santé. Mais c'était une maladie qu'on donnait aux enfants. Donc c'est que Dieu a créé bon. Alors, la maman, quand elle allait, Dieu pour même les symbolise, il nous allait comme une mère allait ses enfants. Amen. Et l'enfant grandit, l'enfant devient adolescent, l'enfant devient adulte. La mère, sa fonction reste toujours là. Si, quand l'enfant était bébé, c'était une protectrice, c'était une nourricière. Et, amen. Et puis, quand l'enfant commence à marcher, c'est elle qui corrige, qui montre à l'enfant les dangers. Ça, c'est la limite, il ne faut pas dépasser la limite. Non, ça ne fait pas ça, fait ça. Et ça change quand l'enfant devient adolescent, ou une adolescente, surtout les filles, elle devient un modèle. Amen. Un modèle. Je parle des filles surtout parce que vous allez voir que Dieu a fait les choses ainsi là.
Les mères, occupez-vous plus des filles. Elles donnent des conseils à vos garçons. Mais les modèles que les enfants suivront, c'est la maman qui va regarder. Alléluia. Amen. Amen. Donc l'enseignement d'aujourd'hui, c'est la mère en Jésus-Christ. C'est une mère vivante. Alléluia. Amen. Elle ne cesse de vivre. Il y en a même quand ils sont morts, leurs souvenirs font vivre, les générations vivent. Ah, voilà ce que ma mère faisait. Alléluia. Amen. Amen. Quand on parle d'une mère, on parle nécessairement d'une maison, d'une famille, d'un père. Donc la fonction de mère se joue dans un cadre familial. Mais advenez que vous trouvez seul, sans mari ou veuve ou par d'autres circonstances dans la vie, c'est vous, la maman, qui devenez comme le père qui jouait toutes les fonctions. On va voir ça comme la mère seule, un des neurones, le premier, un des meilleurs neurochirurgiens au monde, noir, qui est en Maryland, comme le docteur Carson. Elle a été éduquée par sa mère seule qui ne savait pas lire.